J'ai pas reconnu mon équipe, j'ai pas reconnu des joueurs qui avaient pris conscience. Je pensais que la défaite à Lens allait nous permettre de prendre conscience malgré tout que ce championnat il est compliqué, qu'il faut montrer autre chose pour pouvoir gagner des matchs. Et ce soir, en fait, on est resté dans un certain confort. On a laissé aussi cette équipe de Saint-Étienne dans un certain confort. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut faire pour gagner des matchs en Ligue 1. Donc il va falloir essayer de changer certaines choses, de changer aussi peut-être l'état d'esprit de certains pour pouvoir prétendre à un moment donné leur faire comprendre que ce championnat il est compliqué et que quand ils font les choses, ils les font très bien, mais quand ils ne les font pas, ben, c'est difficile de gagner des matchs. Je crois qu'on a laissé Saint-Étienne dans un certain confort, dans un certain faux rythme. Et aujourd'hui, ce n'était pas le but. Je pense qu'il fallait justement essayer de mettre beaucoup d'intensité pour pouvoir les faire déjouer, mais on n'a pas su le faire. Et je dis à la mi-temps, je pense qu'à partir du moment où on va prendre un but, vous allez commencer à jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a été dans la réaction, on n'a pas été dans l'action. Donc on ne peut pas se permettre ça. Et il faut vite comprendre que ce championnat, il est très compliqué, il est très long. Et montrer ça devant notre public qui était venu nombreux, ben c'est malgré tout pas normal parce qu'on c'est pas les valeurs. C'est pas les valeurs que l'on a, donc on va essayer de remontrer autre chose. Vous savez, c'est toujours pareil, quand on a des résultats, ça valide le travail à la fois de tout un club, à la fois le travail de l'entraîneur, mais des joueurs aussi. Et on ne peut pas considérer qu'on peut ne travailler que sur l'aspect offensif ou les ressorties de balles ou le beau jeu. À un moment donné, il faut passer par autre chose parce qu'on ne peut pas non plus que faire ça. Et si on n'a pas le beau jeu et que derrière, en plus, on n'a pas la qualité pour bien défendre, ben en fait, vous vous retrouvez dans un non-match comme vous avez fait ce soir. Et il faut savoir changer un petit peu de mentalité par moment. Je pensais qu'après certains matchs, notamment en début de saison, on avait compris que quand on ne mettait pas tous les ingrédients, eh ben, ça ne nous permettait pas de gagner. Et a priori, eh ben, il va falloir répéter les choses.